Mais avant que le fasse, je vais demander à l'équipe de louange de venir ici en avant. On va faire un chant. Before we start, I'm going to ask the praising team to come in the front so we can sing a song to the Lord. Alléluia. On va faire un chant qui dit You are Alpha and Omega. I'm going to do a song that says Tu es l'Alpha et l'Omega. Parce que souvent on l'oublie. Because often I forget. Amen. 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 You are Alpha. Holds it all into your hands.
Toi qui dis juste une seule parole. You speak a word. Et des situations changent. And situations just turn and change. Je te donne toute la gloire, ô Éternel. I give you all the glory, everlasting God. Parce que nous reconnaissons ta majesté. Because we recognize your majesty. Nous reconnaissons que toi seul. We know that you alone. Toi seul. That you alone. Et le Dieu tout-puissant. Is the Almighty God. Nous venons à, nous sommes là, nous tenons devant toi humblement. We're here standing before you, as we humble before your presence. Parce que nous savons que c'est une grâce. Because we know that it's a grace. C'est par ta grâce, Seigneur. It is only by your grace that we can be standing into your presence. C'est par ton amour, oh Dieu. Because of your love, oh God. Que nous pouvons venir devant toi et crier Abba Père. Because of your love, we can come before you and shout, Abba Father. Nous pouvons venir devant toi et nous réjouir. We can come before you and rejoice. Et danser devant toi. And dance before you. Chanter devant toi. And sing to you. Et nous reconnaissons cela et nous ne voulons pas prendre cela pour acquis. We acknowledge it that we don't want to take it for granted. C'est pourquoi nous donnons toute la gloire. That is why we give you all the glory, Lord. Pour l'éternité. Hallelujah. Il est digne de gloire. Amen. Hallelujah. On va ouvrir nos Bibles. So we'll be opening our Bibles. Dans Matthieu 14. We'll be reading in Matthew chapter 14, verset 23. Verse 23. Matthieu 14, verset 23. Matthew 14, verse 23. Est-ce que vous êtes là? Are you there already? Amen. Amen. On va lire. Verset 23, ça dit: quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Verset 32, « Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. Amen. Verse 23, and after he had dismissed the multitudes, he went up into the hills by himself to pray. When it was evening, he was still there alone. But the boat was by this time out on the sea, many furlongs distant from the land, beaten and tossed by the waves, for the wind was against them. And in the fourth watch of the night, Jesus came to them walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were terrified and said, it is a ghost, and they screamed out with fright. But instantly he spoke to them, saying, take courage, I am. Stop being afraid.
And Peter answered, Lord, if it is you, command to me to come to you on the water. He said, come. So Peter got out of the boat and walked on the water, and he came toward Jesus. But when he perceived and felt the strong wind, he was frightened. And as he began to sink, he cried out, Lord, save me. Instantly, Jesus reached out his hand and caught and held him, saying to him, oh, you of little faith, why did you doubt? And when they got into the boat, the wind ceased. And those in the boat knelt and worshipped him, saying, truly, you are the Son of God. Amen. 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 Hallelujah. Est-ce que vous êtes prêts à recevoir la parole de Dieu? Are you ready to receive the word of God? Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, today, on va parler de la foi. We'll talk about faith. Amen. 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 Dimanche dernier, on a parlé de l'attitude, d'avoir une attitude de gratitude. Last Sunday, we spoke about having an attitude of gratefulness. Amen. Amen. Aujourd'hui, je vous dis, aujourd'hui, le titre de notre message. And today, the title of our message. Sors de ta barque. Get out of your boat. Amen. 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 Sors de ta barque. Get out of your boat. Et pour cela, and to do so, tu as besoin de la foi. You need faith. Amen. 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 En préparant ce message, while getting this message ready, il y a un verset qui est venu dans ma tête. A verse came into my mind. Qui dit, qui est dans Luc 18, 8. On n'a pas besoin de l'ouvrir. Which, that verse is in Luke 18, verse 8, but you don't need to go and read it. You can write it down. Jésus posait la question. Jesus was asking, quand le Fils de l'homme reviendra, when the Son of Man will come back, est-ce qu'il retrouvera la foi? Is he gonna be able to find the faith? Amen. Amen. Et je me suis moi-même posé cette question. So I asked myself this question. Parce que de nos jours, because nowadays, on dirait que on a rangé la foi. It seems like we put faith away. On a mis dans un beau placard. We put it in a cupboard. Où on passe et on regarde, oh, la foi est là. And we walk by that cupboard and said, oh, faith isn't there. Mais on vit sans la foi. And we live without faith. Parce qu'on l'a mis dans le placard. Because we put it away. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Aujourd'hui, today, avec toute la technologie qui est là, with all the technology that we have, des fois, on oublie Dieu. Sometimes we do forget about God. Parce qu'on pense que on peut y arriver. Because we tend to believe that we can get there. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. On vit chaque jour comme si on se suffisait soi-même. We live every day as if we were self-sufficient. Et ce qui arrive malheureusement, and what, unfortunately, what happens now, est que même quand on se trouve devant des montagnes, is that even though we stand in front of mountains, on essaie par notre propre force de voir comment enlever cette montagne. We will try with our own strength to move those mountains away. Et la montagne ne bouge pas parce que Jésus a dit que si tu as la foi, tu diras cette montagne. Il bouge. And the mountain will not move because Jesus said, if you have faith, this mountain will move. Comme on dit dans notre langue.
as we say in our mother tongue, we'll take him to an ish. Bon, il y a des choses qu'on peut pas traduire. Ça, tu essaies par tes moyens, tu essaies de penser à des solutions. Oh, so you're trying to reach to a solution by yourself. Et c'est comme si, et on dit que tu es en train de faire cuire ta tête. Oh, so you are cooking your own head, I guess. Ouais. Amen. Mais ça marche pas. But it doesn't work. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Parce que Jésus dit, le juste vivra par la foi. Because the Lord says the just will live by faith. Alors quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? So when he'll come back, will he be able to find faith? Non, pas seulement que on croit en lui. Not that we only believe in him. Mais est-ce qu'on marche avec lui? But are we walking with him? Non, pas seulement on sait qu'il est Dieu. Not only knowing that he is God. Est-ce que les œuvres qu'il nous demande d'accomplir sur cette terre, est-ce qu'on les accomplit but dans sa puissance? Are we accomplishing the task that he left us to do on this earth with his presence? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Si on regarde dehors, so when we look outside, il y a beaucoup de gens qui sont perdus. Many people are lost. Hallelujah. Amen. Des gens, la dépression c'est devenu quelque chose de normal. Depression is actually common nowadays. Le stress c'est devenu normal. Is normal to us. Les suicides, suicide sont devenus normal. Happen quite often. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et on trouve ça que c'est normal. And we find that normal. Est-ce que quand le Fils de Dieu reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi? So when the Son of God will come back, will he be able to find faith? Alors aujourd'hui, so today, qu'on médite sur la foi. Let us meditate on faith. Et regardons où est-ce qu'on est. And let us search where we are. Où est-ce qu'on en est? Where we stand. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Pendant que même moi je vous parle. As I speak to you right now. Mon esprit aussi est en train de regarder où est-ce que j'en ai. J'en suis. My spirit is also trying to figure out where I stand. Amen. 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 Alors dans cette histoire qu'on vient de lire dans Matthieu 14. So in this passage that we just read in Matthew 14. Il y a certains niveaux que j'ai pu tirer de là. I was able to cut it in different levels. Le premier niveau de la foi, so the first level of faith, est celle qui dit je veux que Dieu pourvoie mes besoins. Is the level where you say I would like for God to provide to my needs. Hallelujah. Amen. Ça c'est la première fois. And that's the first level. Tu crois que Dieu peut pourvoir tes besoins. You believe that God can provide to your needs. Et n'ayez jamais peur d'aller vers Dieu. And never be afraid to go towards God. Il n'est jamais fatigué. He's never tired. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Mais il trouve plaisir en cela. But he finds his pleasure in it. Des fois, et je dis que c'est un niveau de foi parce que. And I speak of it as a level of faith because. C'est pas tout le monde qui court vers Dieu quand ils ont besoin de l'aide. Not everybody will run to God when they need help. Tu peux dire que c'est quelque chose de normal parce que tu le fais automatiquement. You might say that it's something normal for you because you do that automatically. Mais c'est pas tout le monde malheureusement. But not everybody do so. Il y a certaines personnes qui commencent par essayer dans leur propre force. Some people will try with their own strength. De voir dans leur façon comment faire. To see how they can manage by on their own. Mais il faut avoir la foi que tu as un Père céleste. But you must believe and have faith that you have a celestial father qui prend soin de toi, who takes care of qui veille sur toi, who watches over you. Parce que là-bas, dans Psaume, ça nous dit celui qui veille sur Israël ne dort ni ne somnole. Because in Psalm we are told that the God who watches over Israel do not sleep nor slumber.
Amen. 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 Ce qui veut dire que à chaque seconde de ta vie, which means at every second of your life, ses yeux sont sur toi. His eyes are watching over you. Chaque jour de ta vie, every day of your life, chaque seconde de ta vie, every second of your life, ses yeux sont sur toi. His eyes are watching over même you. Même quand tu ne sens pas sa présence, even when you don't feel his presence, même quand tu penses que tu es dans l'obscurité, even when you feel like you're in darkness, il n'y a pas d'obscurité. There are no darkness pour Dieu. For God, là où tu es, where you are. Peu importe les circonstances. No matter your circumstances, il te voit. He sees you. Alors, n'aie jamais peur ou honte. So never be afraid or ashamed. De crier vers Dieu. To cry out to him. Ça peut arriver que le diable te dise, toi, t'es un pécheur. It might happen that the devil lies to you and say you are a sinner. Oh, ou bien il te dit t'as pas fait ceci et cela. Or reminds you that you didn't do this or that thing. There's no way God can hear you. Il n'y a aucune chance que Dieu puisse t'entendre. Mais je veux te dire aujourd'hui. But I would like to tell you today. Il est là avec toi. He's here with you. Que tu le sens ou pas. For you to feel it or not. Que tu sens sa présence ou pas. So for you to physically or emotionally feel it or not, il est là. He's here. Il est là. He's here. Dis à ton voisin, il est toujours tell là. Tell your neighbor, he's always there. Amen. 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 Il y a un autre niveau. And there's a second level. Celle qui monte dans la barque. When you get onto the boat. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Glory be to God. On voit ici que Jésus a envoyé les disciples. We can see here that Jesus sent the disciples away. Et il faisait nuit. And it was dark. Hallelujah. Hallelujah. La parole de Dieu nous dit que le vent était contraire. The word of God says that the wind was against them. Et nous savons que c'était des pêcheurs, ils savaient. And we know that they were fishermen, so they knew. Ils pouvaient voir, oh, le ciel n'est pas bon. They could notice that the sky wasn't right. Le vent n'est pas à notre faveur. The wind is not into our favor. On va y aller, mais Jésus, tu restes là. Comment tu vas venir? We're gonna go, but Jesus, you are staying here. How are you gonna join us? Tout cela sont des questions légitimes. And those are legitimate questions. Mais il leur a dit de partir. But sans lui, Jesus sent them away to leave without him. Ils ont accepté d'y aller. And they've agreed to do so. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et cette fois, c'est de faire ce que le Seigneur t'ordonne de faire. And this faith is about doing what the Lord orders you to do. Même si cela n'a pas de sens pour toi. Even if it doesn't make any sense to you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Tu acceptes d'embarquer dans le bateau. You agree to go on the boat. Tu acceptes de le servir. You agree to serve him. Même si tu comprends, t'as pas toutes les informations, Even though you don't have all the details. Amen. Amen. Ça, c'est la deuxième. So that was the second one. La troisième. The third one. C'est celle que on voit Pierre a démontré. The one that Peter demonstrated. Celle qui veut faire ce que Jésus a fait. He wants to imitate what the Lord has done. Amen. 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 Dans Jean 14, verset 12. In John 14, verse 12, Jésus dit, celui qui croit en moi, Jesus said, the one who believes in me, fera ce que j'ai fait, ou ce que je fais, will do what I've done, les œuvres que j'ai fait, the tasks that I've done, et même plus, and even more than that. Amen. 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 Est-ce que là, il faut que tu regardes si ta foi est là. So you must look if your faith is there. Donc, c'est quoi les œuvres que Jésus a fait? So what are the things that Jesus did? Il a guéri les malades. He healed the sick. Il a chassé les démons. He cast away demons. Et il a aussi payé les impôts. And he paid his taxes.
avec l'argent qui est venu d'un poisson. With money that came out of a fish. Amen. 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 Ça c'est Jésus. And that is Jesus. Qui ne voudrait pas faire cela? So who doesn't want to do that? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors, ce niveau de foi nous pousse à faire les choses, on veut faire les choses comme Jésus. Et Pierre l'a demandé, je veux faire comme toi tu l'as fait. Je veux marcher sur l'eau comme toi. Tu es en train de marcher sur l'eau. That level pushes us toward doing what Jesus did. In the same way that Peter asked, I want to do the same thing that you did. Mais malheureusement, unfortunately, les gens veulent faire ce que Jésus a fait. People want to do what Jesus did sans avoir une relation avec Jésus. Without being in communion with Jesus. On veut faire ce que Jésus a fait. We want to do the same as Jesus sans être réellement connecté avec lui. Without really being connected to him. Et cela ne marche pas. And it will not work. Si tu ne parles pas avec Jésus, if you do not speak with Jesus, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait. You cannot do what he did. C'est impossible. It is impossible. Impose les mains sur toutes les personnes que tu veux. You can lay your hands on anyone you want. Lis tous les versets que tu veux. Read any verse that you Mais wish. Sans relation avec lui, but without a relationship with Jesus, ça ne marche pas. It will not work. Est-ce que j'ai des amen ici? Est-ce que j'ai des amen ici? Amen. Dis à ton voisin, si tu ne parles pas avec Jésus, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait. Tell your neighbor, if you don't speak with Jesus, you cannot do the same as he did. On a besoin d'avoir cette relation. We need that relationship. Pour que notre foi grandisse. We need this relationship so for our faith to grow. Hallelujah. Amen. On a besoin d'arriver à cette relation avec Jésus. We need to reach that level with Jesus. Si tu veux voir des miracles dans ta vie, if you want to see miracles in your life, tu dois être connecté avec Jésus. You must be connected to Jesus. Et ça doit être réel. And it must be real. Réel. Real. Réel. Real. Pas quelque chose qui est juste sur la bouche. Not something that's at the top of your lips. Amen. Amen. Parce que quand tu auras cette relation, because when you'll have that relationship, même les gens autour de toi le verront. Even the people surrounding you will notice that. Ils le verront. They will see it. Hallelujah. Amen. Si on s'accroche beaucoup plus à Jésus. If we hang on even more onto Jesus. Les témoignages, on aurait des jours de témoignages, des journées de témoignages. We'll have days of testifying. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Parce que si dans l'église on voit pas les mêmes choses que on voit dans le livre des apôtres. Because if in church we don't see the same as we do in the book of the apostles. C'est parce qu'il n'y a pas cette connexion. It's because we do not have that connection. Est-ce qu'on est avec moi ici? Are we still here? Ici? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. On n'a pas cette connexion. We do not have that connection. C'est pas parce que le Saint-Esprit n'est plus là. It's not because the Holy Spirit has left. Mais c'est parce que nous, on n'a pas cette connexion avec le Saint-Esprit. But it is because we do not have that connection with the Holy Spirit. Laissez-le faire ce qu'il est en train de faire. Let him do what he's doing. Et les autres loups. Let us focus back. Amen. Amen. Revenez ici. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Mais on a besoin d'avoir cette connexion. We need that connection. Si on veut être la lumière du monde, on a besoin de cette connexion. If we want to be the light of the world, we need that connection. Si tu veux voir un changement dans ta vie et aussi dans ta communauté et aussi dans ta famille, tu as besoin de cette connexion. If you wish to see a change in your life, in your community, in your family, you need that connection. Ne pense pas que tu peux faire tout par toi-même. Do not think that you can do that by yourself. Travaille sur cette connexion. Work on that connection. Amen. Amen. La dernière. The last level. Apprendre à marcher sur l'eau. To learn to walk on water. Sans s'enfoncer. Without sinking. Amen. 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 Souvent on dit,
quand on lit cette histoire, on fait plus attention sur le fait que Pierre s'est enfoncé. Most time when we read that passage, we tend to focus on the fact that Peter sank. Mais pourquoi est-ce que Pierre s'est enfoncé? But why did it happen that way? Est-ce que vous pouvez me répondre? Can you answer? Pourquoi est-ce que Pierre s'est enfoncé? Why did he sink? Amen. Alléluia. Pierre s'est enfoncé. Peter sank. Parce qu'il a marché sur l'eau. Because he was walking on water. Amen. Amen. Parce que tu ne peux pas t'enfoncer dans l'eau sans être sorti de du bateau et marcher sur l'eau. Because you cannot sink without actually getting out of the boat and walking on water. Selon la loi de la gravité, when we speak about gravity, tu tiens sur l'eau, tu coules. If you stand on water, you will sink. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Mais je veux tirer, c'est vrai, il a perdu la foi. Mais it je veux aussi, he lost faith. Je veux tirer aussi votre attention. But I would like to get your attention sur la foi qui a été en action même pendant ces quelques secondes. Je ne sais pas si c'est des secondes ou des minutes. Ça ne dit pas. I would like to get to focus your attention onto that faith that was in action for those little moments. Pierre, si on lit au verset 29, ça dit, il dit, viens. Pierre sortit de la barque. Tu veux dire? And the verse 29 said, he said, come. So Peter got out of the boat. Et marcha sur les eaux. And walked on the water. Pour aller vers Jésus. And he came toward Jesus. Est-ce que votre Bible dit la même chose que moi? Does your Bible say donc, the same thing? Ça veut dire que which means Pierre a eu la foi Peter had faith de sortir de la barque to get out of the boat. Et il est allé and he walked. Supposons que ça c'est parce qu'au début ça dit ils ont vu Jésus de loin. At the beginning it says that they see Jesus from afar. Disons que ça c'était la distance. So let's just say that this is the distance. Alors Pierre est sorti de la barque. So Peter got out of the boat. On est tous d'accord que cela demande la foi. So let's just agree that this actually asks for faith. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Qu'on regarde pas le négatif, mais qu'on regarde aussi le positif. Let us not focus on the negative, but let us focus parce que on the positive. Il y a beaucoup de gens because many people à qui Jésus dit viens. Jesus will tell them come. Mais ils ne veulent pas sortir de la barque. But they do not want to get out of the boat. Pierre est sorti de la barque. Peter got out of the boat. Et ça dit, and it says, il marcha and vers Jésus. He walked toward Jesus. Ça c'est déjà un miracle. So this is already a miracle. Ça c'était déjà un miracle. This was already a miracle. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il marcha. He walked. Mais quand il a senti le vent. But when he perceived and felt the wind, il a regardé les circonstances. He looked at his circumstances. C'est là où sa foi a été défiée. And that's where his faith was shaken. Et il a commencé à s'enfoncer. And he started to sink. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais je tiens à revenir sur les quelques pas qu'il a fait. But I would like to go back to those steps that he made. Parce que même quand même le lendemain. Because even the day after, j'imagine Pierre disait aux autres. Peter will probably be speaking to the others. Oh, j'ai marché sur les eaux. I walked on water. J'ai marché sur les eaux comme Jésus. I walked on water. Like Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être dit oh t'as coulé. Some of them might have said you sank. Mais j'ai marché sur les eaux. But he will be saying j'ai fait les pas. I made the steps. J'ai fait les quelques pas. I walked those steps. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et c'est ça qui nous bloque. And this is what stops us. Parce que nous, because for us, nous aussi, as for us, Jésus nous dit viens. Jesus would tell us come. Et on commence à calculer, à regarder ce qui ne va pas, c'est toutes les probabilités que ça foire. We'll be focusing on all the steps and calculating all the probabilities that it will not work, it will not happen.
On parlait de ça dans la soirée de prière. We were speaking about that during the overnight prayer. Dieu te dit de prier pour une personne. God will tell you to pray for someone. Jésus, si je prie et que la personne ne guérit pas, qu'est-ce que ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Jesus will tell you to pray for somebody and you will tell him, Jesus, well, what if I pray and nothing happened? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Et c'est ça qui nous arrive. And this is what happened to us. Et c'est ça qui bloque notre foi. And this is what stops our faith. On n'arrive pas à nous tenir debout sur la parole de Dieu. We're not able to stand on the word of God. Parce qu'on regarde les probabilités que ça foire, because we que ça réussit pas. Focusing on what will happen if it doesn't work. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Mais je veux tirer votre attention. But I would like to get your attention. Si, même si, even, il y avait 99%, even if 99% de chances que Pierre s'écoule, even if the odds were against Peter, et qu'il y avait 99.9%, and the odds were 99.9% que Pierre s'écoule, that Peter will sink. Je veux te dire aujourd'hui. I would like to tell you today. Il y avait 100% que, 100% de chance que, de probabilité que. There were also 100% of probabilities que Jésus le relève. That Jesus will amen. Lift him up. Hallelujah. Amen. Je vois deux ou trois personnes amen. Qui ont déjà ceci. En fait, mon message est sur ça. So my message is really on that. Je veux juste vous faire comprendre ceci. I would like for you to understand this. Même si, even though, pour les uns, pour les autres apôtres, for the other apostles, il y avait 99%, 99% chances de chance que Pierre s'écoule. For Peter to sink, il y avait 100%. There were still 100%. De chances que Jésus le saisisse. Of chances for Jesus to lift him up. Hallelujah. Amen. C'est ça la foi. And that is faith. C'est ça la foi. And that is faith. Si Dieu te dit, va prier pour cette personne. If God tells you to pray for this person. Ne regarde pas les 99% de raisons pourquoi cela ne va pas marcher. Do not focus on the odds of 99% that tells you it will not work. Mais les 100% que Jésus est avec toi. But focus on the 100% that Jesus Hallelujah. Is with you. Hallelujah. Amen. La raison pourquoi j'insiste sur cela. Reason why I'm insisting, I'm focusing on this. Parce que c'est ce raisonnement qui retient le peuple de Dieu. Because it's that reasoning that stops the people of God. Qui les empêche de marcher dans leur destinée. That block them from walking in the path made for them. Qui les empêche de faire des choses incroyables. That stopping them to do incredible things. Parce que je vous rappelle que la puissance, et cela on en a discuté même dans la veille, il faut venir dans les veilles de prière. Il y a beaucoup de choses qui se passent. A lot of things happen there. Hallelujah. Amen. La puissance qui a ressuscité Jésus, the power that has resurrected Jesus, est en toi. Is in you. Est en toi. Amen. Is in you. Alors quand tu te laves le matin, so when you wash yourself in the morning, dis-toi, je suis en train de laver le temple du Saint-Esprit. Tell yourself, I am washing the temple of God, je suis en train of the Holy Spirit. Le temple du Saint-Esprit. I'm cleaning the temple of the Holy Spirit. Parce qu'il vit en toi. Because he lives in you. Et alors cette puissance. So this power. Qui est capable de ressusciter les morts. That is able to resurrect the dead. Et dans l'église. Is in the church. Mais pourquoi est-ce qu'on la on voit pas cette puissance à l'œuvre? So why don't we see that power in action? C'est parce que l'église on est focalisé sur les 99%. Because as a church we are focusing on the 99%. Les 99%. The 99%. Et on ne regarde pas la puissance qui est en nous, le 100%. And we don't look at that 100%, that power within us. Hallelujah. Amen. Il faut qu'on enlève la peur de l'échec. We must get rid of the fear of failing. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Savoir qui tu es.
You must know who you are. Qui habite en toi? Who lives within you? On chante avec Dieu, nous ferons des exploits. We sing that with God, we'll do marvelous things. Où sont ces exploits? Where are those marvelous things? Pourquoi est-ce qu'on se contente du peu qu'on peut faire avec notre propre force? Why are we satisfied with the little things that we can do with our own strength? Pourquoi on croit plus dans les mensonges du diable? Why do we believe more into the lies of the devil? En pensant, en disant que c'est ça l'intelligence, c'est ça le raisonnement. You're trying to reason ourselves that is intelligence, that is reasoning. Et qu'on croit pas à ce que Dieu nous dit. And we don't believe in what God tells us. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Parce que Dieu, because God, ne se réjouit pas plus des résultats. Because God doesn't rejoice in those results. Il ne se réjouit pas plus que tu as fait ceci et cela. He will not rejoice more because you did this thing or that other thing. Mais la foi que tu as en lui, but the faith that you used to do so. Hallelujah. Amen. La foi que tu as eu et que tu es sorti de la barque. But the faith that you had to get out of the boat. Je dis cela parce que ma Bible me dit. I'm telling you this because my Bible says, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Without faith, we cannot please God. Ça ne dit pas sans les résultats, il est impossible de plaire à Dieu. It doesn't say that without results, we cannot please God. Non, avec les résultats, je veux dire, avec les résultats, c'est possible de plaire à Dieu. It doesn't say that with results, we will please God. Mais Dieu cherche la foi. But God is looking for faith. Et il se réjouit dans la foi. And he rejoices in faith. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Hallelujah. Il cherche la foi. He's looking for faith. Parce qu'il sait que même si tu tombes, because he knows that even if you fall, il est là pour te relever. He's there to lift you up. Il est là pour te relever. He's there to get you up. Je viens te dire aujourd'hui, so I'm coming to tell you today, si Dieu t'a dit de faire quelque chose, if God told you to do something, lève-toi et fais-le. Stand up and do it. Ne regarde pas ce qui ne marche pas avec toi. Do not focus on what's not working with you. Hallelujah. Amen. Mais il cherche la foi. But he's looking for your faith. Hallelujah. Amen. Il cherche ta foi. He's looking for your faith. Ne commence pas à faire une liste de ce qui est impossible. Do not start by making a list of what's impossible. Pourquoi tu peux pas faire cela? On why you cannot do it. Mais laisse-toi entre ses mains. But you give yourself into his hands. Il est l'alpha et l'oméga. He's the alpha and the omega. Il est le commencement et la fin. The beginning and the end. Celui qui a commencé ta vie. The one who started your life. Il sait où est-ce qu'il veut t'emmener. He knows where he wants to lead you. Alors, sors de ta barque. So get out of your boat. Sors de ta barque. Get out of your boat. Marche dans la foi. Walk in faith. Qu'on soit vraiment des chrétiens qui sont remplis de la foi. Let us all be Christian of full of faith. En levant et combattant la peur. So let's get rid of and fight against fear. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. L'autre nom de Dieu. Another name for God. Est je suis. Is I am. Hallelujah. Amen. Quand Dieu a dit à Moïse d'aller en Égypte. When God told Moses to go to Egypt. Moïse a dit, mais Dieu, si on me pose la question, je leur dirais que tu es qui? If they ask me the question, who am I supposed to say that you are? Alors Moïse voulait des descriptions. And Moses was looking for a specific description. Et Dieu s'est regardé. And God looked at himself. Je peux pas me décrire. I cannot describe myself. Je ne peux pas me décrire. I cannot describe myself. Il n'y a pas de mot pour me décrire. There are no words to describe. Hallelujah. Amen. Et il a dit. And he told him. Dis-leur, je suis moi envoyé. Tell them that I am sent you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Alors je vais te dire que je suis est avec toi. So let me tell you today that I am. Je suis est avec toi. I am is. Je suis. Hallelujah. I am is with you. Alléluia. Il dit, je suis. He says, I am.
tout ce dont tu as besoin. Everything that you need, je le suis. I am. Amen. Hallelujah. Amen. Et si ça n'existe pas, and if it doesn't exist, je le créerai pour toi. I will create. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Lui qui est l'alpha et l'oméga. He is the alpha and the omega. Te dit qu'il s'est déjà tout occupé. He's telling you that he took care of everything. Il s'est Amen. Déjà tout occupé. Il s'est, tout est déjà planifié. He planned it all already. Pas seulement ce que tu as besoin maintenant. Not only what you need right now. Pas seulement les miracles que tu as le miracle que tu as besoin maintenant. Not only the miracle that you need right now. Mais aussi pour le temps à venir. But also for your future. Pour le temps à venir. The times to come. Et ce qui est... Je ne sais pas si vous avez remarqué dans Matthieu, I'm not sure. Dans l'histoire de... dans Matthieu, je pense que c'est vers le verset 27. If you read into verse 27 of Matthew 14, Jésus leur a dit, Jesus, said to them, quand ils ont commencé à avoir la peur, when they were starting to be afraid, il leur a dit, rassurez-vous, take courage, c'est moi, I am, n'ayez pas peur, stop being afraid. Mais je veux qu'on le lise en anglais. So we'll be reading that in English. Parce qu'en français, ils n'ont pas bien traduit. I feel like they did not translate that properly in French. Elle va lire en anglais ce verset. But instantly he spoke to them saying, take courage, I am, stop being afraid. Hallelujah. Amen. Il leur a dit, prends courage. He said, take courage. Il y a un point d'exclamation. Exclamation point. Et après il a dit, I am. Point d'exclamation. Ensuite, il a dit je suis. Exclamation point. Et après, il leur a dit stop being afraid. Ensuite, arrêtez d'avoir peur. Le même je suis, c'est celui que Dieu a dit à Moïse au début dans Exode. The same I am is the one that God told Moses back in Exodus. Chapitre 3, verset 14. Chapter 3, verse 14. Parce que même pour certaines Bibles, à côté, ils mettent la référence dans Exode. Because even for other Bibles, they put the reference next to it. Alléluia. Amen. Alors, je te dire aujourd'hui. So let me tell you today. Élève ta foi. Elevate your faith. Amen. N'ayez pas peur. Stop being afraid. Je suis est avec toi. I am is with you. Relax. Just relax. Que Dieu vous bénisse.